Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment j'ai réalisé ce maquillage. C'est parti. Au niveau du matériel, j'ai utilisé du faux sang et du faux latex que j'ai trouvé chez Festifette, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout dans les magasins de farce et attrape ainsi que sur internet. Un cure-dent, un crayon noir que vous pouvez remplacer par du rouge à lèvres noir par exemple, du fond de teint qui s'approche le plus possible de la couleur de votre peau, un pinceau, un mouchoir, des petits cotons-tiges et de la crème hydratante. Je commence par appliquer une bonne couche de crème hydratante sur ma peau pour la protéger. Je prends ensuite mon pinceau et mon latex et j'en applique sur tout le dessus de ma main. Je prends mon mouchoir que je dédouble pour en prendre une seule feuille. J'en coupe deux morceaux. Je pose un premier morceau sur mon latex. Je tapote avec mes doigts. Ensuite, je reprends du latex, je recouvre le tout. Et je pose mon second morceau. Pareil, en tapotant avec mes doigts. Que je vais également recouvrir lui aussi de latex. Je prends mon cure-dent et je viens déchirer le tout en prenant soin de ramener les morceaux de mouchoir au niveau des extrémités pour donner cet effet de peau déchirée. Avec mon fond de teint, je viens camoufler tout ce qui est blanc. Je prends ensuite du maquillage noir que je viens mettre à l'intérieur de la blessure pour donner un effet de profondeur. Donc là, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser du crayon noir, du rouge à lèvres noir ou comme ici, du maquillage que j'ai trouvé dans un magasin de farce et attrape. J'en mets également autour de ma plaie. Je remplis l'intérieur avec du faux sang. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du rouge à lèvres rouge. On va également mettre autour de la plaie et on estompe légèrement avec le doigt. On prend ensuite nos cotons-tiges et on vient couper les extrémités, donc les parties où il y a du coton. Il nous en faut trois en tout et on va venir les placer de cette façon en essayant de les placer sous le mouchoir, comme ceci.
va ensuite teinter le tout avec notre faux sang de nouveau. On va rajouter un petit peu de sang à l'intérieur et également autour de la plaie. Donc une personne m'a demandé si le sang séchait, donc comme vous pouvez le voir, oui, il sèche et plutôt rapidement. Au centre, s'il y en a plus, ça va être un petit peu plus long, mais ça va finir par sécher. On peaufine en essayant de masquer le plus possible notre mouchoir. Et voici le résultat. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaît, que cette vidéo vous a plu également. On m'a demandé de réaliser un tutoriel sans latex. Je vais vous en faire un très prochainement. Donc c'est un maquillage amateur. Je ne suis pas du tout professionnelle.